Bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui, on est samedi et je vous emmène à la découverte de Gozo. On part toute la journée à Gozo, qui est du coup la troisième île de Malte que j'ai pas encore visitée. On va faire un grand tour de toute l'île en jeep et s'arrêter bien sûr dans tous les plus beaux endroits. J'ai très très hâte de vous montrer. Actuellement, il est 7h30 du matin. Je me suis levée très tôt et j'ai vraiment pas beaucoup dormi cette nuit. Mais je compte bien profiter à fond de cette journée. Les amis, nous sommes bien dans le ferry. Du coup, dans le bateau qui va nous emmener à Gozo. Je crois qu'on a 20 minutes de bateau et ensuite, on récupère les petites jeeps. Les amis, du coup, on a trouvé les petites voitures. Du coup, il y a quoi, 4-5 voitures, sauf qu'en fait, ils ont dit, ouais, qui se sent de conduire, sachant que la conduite est de l'autre côté. Personne n'avait trop envie. Du coup, il y a deux gens qui se sont dévoués, mais limite, ils sont même pas sûrs d'avoir le permis. Ils ont jamais conduit de l'autre côté. Oula. Du coup, nous, on s'est précipité avec Marion pour aller dans la voiture du moniteur, enfin de l'accompagnateur. Et il a rigolé, il nous a dit, ah oui, genre vous avez un peu peur quoi. Clairement, genre ils ont l'air dangereux tous ces gens. Je vous jure. Donc j'espère qu'on va pas mourir. Mais du un coup, peu des dangereux, petit jeep tour. Voilà, c'est très rustique. C'est très en mode safari quoi. Donc on va voir. Alors Marion, c'est tes impressions sur les débuts de ce safari en alors, fait. Écoute, j'ai fait mourir trop fort. Non mais regardez la gueule de notre voiture s'il vous plaît. Genre ça fait peur mais par contre très beau. Amis, on a fait un petit arrêt à un stop très sympa au bord des falaises et apparemment c'est là qu'a été tournée une partie de Game of Thrones. Voilà, pour ceux qui ont regardé, je ne sais pas si vous reconnaissez, mais c'est très sympa. Par contre la mer est déchaînée.
must be the sunlight. Shines a little more tonight. I know I tried to make her mine. Marion, comment se passe le trajet? Un petit peu agité. Un peu bosseux. Voilà. Update un peu notre journée. Il est 15h environ. On a fait le tour de l'île avec nos jeeps. Regardez comme c'est si beau. On s'est arrêté dans plein de petits spots. Juste là. Là, on s'est arrêté du coup à un resto pour manger un petit peu, un petit dessert, etc. C'est vraiment super beau. Juste, il y a beaucoup, beaucoup de vent, mais comme un peu tous les jours à Malte en ce moment. Donc, c'est un peu relou. Mais sinon, c'est vraiment trop beau, ça fait vraiment du bien. Et là, cet après-midi, on va encore continuer pendant une heure ou deux avant de reprendre le bateau. Mais vraiment trop, trop, trop sympa. Par contre, les routes sont vraiment mais défoncées ici. Donc, si vous louez une voiture ou quoi que ce soit, faut vraiment être préparé parce que c'est pas facile de conduire. Les amis, on a trouvé un petit spot, on dirait une mini grotte, et il y a des genres de plages en dessous. Faut se faufiler entre les rochers, trop chou. Regardez, vous avez un accès par là, tout là il y a l'eau, et là-bas, vraiment trop trop beau. Bon, je ne saurais pas vous dire où on est à Bozo, hein, mais j'ai pas connu ça. Comme c'est incroyable. C'est trop trop beau. Mes amis, nous sommes épuisés. Le vent nous fatigue. C'est plus possible là. Il faut arrêter. On est à bout. Voilà. Sachez que tout le monde se moque un peu de nous et nous juge parce qu'on est les premières. On est les premières à arriver. On fait nos photos, en fait, on style. On court jusqu'au spot et ensuite après on court pour revenir le plus vite possible dans la voiture. Voilà. En même temps, ils disent 5 minutes. Les gens ils restent. Nous, 20 minutes. Voilà. Nous on est simple et nous on respecte. Mais je suis frigorifiée. Nous on mange pas une glace pendant que les autres nous attendent. Ah ouais, non mais on vous passe les détails de ce midi. À deux doigts du clash. À deux doigts. Donc voilà les amis, on est épuisés là, on espère qu'il reste pas beaucoup de spots parce qu'en fait on a envie d'aller faire dodo. On est horrible parce qu'on venait d'être meilleure vie là. Mais ouais, en vrai non, on a kiffé. On a kiffé mais le vent il nique tout. Vraiment. C'est voilà, horrible. On vous update quand on sera au chaud. En Corse. Les amis, du coup on est bien rentrés de l'excursion à Gozo. Franchement c'était incroyable, c'était vraiment trop trop bien. On a kiffé sur nos petites jeeps et tout. Et vraiment Gozo, trop beau. Si un jour voilà, vous venez à Malte, c'est vraiment à faire, ça vaut vraiment le coup. Et conseil, ouais, faites-le quand même avec une voiture ou un quad, quelque chose d'adapté.